Ông quên chỗ. Ông chuẩn bị các văn tố cái tâm lạc này tế phí sản mạc ca hay bảo lời cái chuẩn từ sạp nhà rộng ổn trả hiết ông bây văn tố cắt tăng xâm lụt đến đầu chứ bùa rồi sạ xây. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je vais en venir assez rapidement aux différentes fonctions qui ont été les vôtres après le 17 avril 1975. Pouvez-vous nous dire quelles fonctions vous avez occupées au sein de la zone Est de la région 21 en particulier après le 17 avril 1975? Nhóm chia ăn nụ bật thiên rong chạc ra lăng phung phía bố bìa. Miền tì tăng nơi tua trong ẩm cường sọc bông khu mùm. Ô cùn. Et si j'ai bien compris votre procès verbal d'audition, c'était une usine et un atelier de fabrication de pièces métalliques. Lorsque vous étiez chef adjoint de cette usine, est-ce que vous avez pu conserver des contacts étroits avec votre père? Que ce soit par des moyens de communication ou bien est-ce que vous le rencontriez de temps en temps? Mais est-ce que vous aviez encore des relations familiales avec lui? Est-ce que vous le pouviez le rencontrer de temps en temps comme un fils rencontre son père? Yung khmien pel ban te chup khnie khnong niem krua sa te. Okun. Durant cette période, est-ce que vous avez reçu une formation pour ce travail à l'usine? Et pouvez-vous nous dire où a eu lieu cette formation et pendant combien de temps? On a eu la traduction du 17 avril 1975. Après le 17 avril 1975, pendant que vous êtes à Phnom Penh, vous étiez déjà membre du Parti communiste du Cambodge. Est-ce que vous avez eu l'occasion ou l'obligation d'assister à de grandes réunions, de rassemblements du Parti ou encore des sessions de formation, que ce soit au stade olympique ou à Boreikela? Miền tì
ព្រោះនៅកន្លែងសាលារៀនរបស់យើងមានការប្រជុំរាល់ល្ងាចនៅរសីកែវនឹងបាទអរគុណ Parallèlement à vos fonctions de chef adjoint de l'atelier de fabrication des pièces métalliques dans la zone Est, est-ce que vous avez occupé également une fonction au sein du bureau du commerce de la zone Est? ក្នុងឋានៈជាអនុប្រធានអង្គភាពក្រោយពីចប់ពីការសិក្សាទៅវិញទៅនៅអង្គភាពរោងចក្រកលឹងភូមិភាគនោះវិញភាគច្រើនខ្ញុំទទួលការងារបច្ចេកទេសនិងដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈពីភ្នំពេញទៅអង្គភាពអរគុណ Dans votre procès-verbal d'audition E3/55/31, vous avez évoqué plusieurs fois le fait que vous êtes rendu à Phnom Penh, au siège du commerce de la zone Est, et notamment dans la réponse 40. Dans la réponse 37, vous avez dit ceci. À la réponse 37, vous avez dit « En général, je passais mon temps plus à Phnom Penh qu'à mon unité. » Fin de citation. Donc, dans le cadre de vos fonctions, est-ce que vous passez beaucoup de temps au siège du commerce de l'Est à Phnom Penh? យើងមកនៅចាំយកសម្ភារៈនៅមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មរបស់ភូមិភាគហ្នឹងយើងដឹងតែយកលិខិតមកដាក់នៅមន្ទីរភូមិភាគហើយនៅចាំទទួលយកសម្ភារៈនៅនឹងមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មភូមិភាគនេះដើម្បីដឹកត្រឡប់ទៅអង្គភាពវិញបាទអរគុណ Si je comprends bien, vous n'aviez pas un poste très élevé au sein du bureau du commerce. Est-ce que c'est correct? Est-ce que vous avez appris auprès de ce bureau du commerce avec quel dirigeant le bureau du commerce de l'Est avait des relations à Phnom Penh? Quel dirigeant du parti, notamment en matière commerciale? Est-ce que vous avez appris, par exemple, si le bureau du commerce de l'Est a jamais été en relation avec Khoi Thun? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le coprocureur pose ces questions. La première question ouverte, pas de problème. Dans le cadre de son travail.
ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការងាររបស់ខ្លួននោះអរគុណខ្ញុំមិនបានដឹងទេព្រោះការងាររបស់ខ្ញុំមានតែមួយគឺយកលិខិតស្នាមរបស់នឹងតម្រូវការរបស់ភូមិភាគបូព៌ាដែលមានចុះហត្ថលេខារបស់លោកសោភឹមមកជូនមន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មមិនដឹងថាយកទៅណាទៀតទេខ្ញុំនៅរងចាំទីនេះជាមួយនឹងរថយន្តឧបមារថយន្តមួយឬពីរគ្រឿងដែលសម្រាប់មកដឹកសម្ភារៈនឹងហើយនៅរងចាំនឹងរហូតនៅពេលដែលមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មបានលិខិតហើយមកនាំយើងនាំរថយន្តយើងទៅយកសម្ភារៈនេះនៅកន្លែងណាតែប៉ុណ្ណេះឯងអរគុណ Donc si je comprends bien, vous receviez des lettres signées de Saopim et vous les transportiez jusqu'au bureau du commerce de l'Est. Est-ce que cela veut dire que vous avez l'occasion de rencontrer Saopim? Ou bien, est-ce que ça se passait différemment? Vous receviez des lettres déjà signées, mais vous ne les rencontriez pas avant de partir sur Phnom Penh. បាទភាកច្រើនគឺលិខិតនោះជានិរសាររបស់ភូមិភាគគេយកមកឲ្យយើងខ្ញុំនៅឯទួលចុងអង្គរងនេះកន្លែងសោភឹមនៅឯសួងដូច្នេះខ្ញុំគ្មានកិច្ចការអីត្រូវជួបសោភឹមទេលើកលែងតែគាត់ហៅយើងទើបយើងទៅបានឬក៏យើងមានការចាំបាច់បានយើងទៅសុំគោលការណ៍ពី ជំនអ្នកដែលនៅជាមួយសោភឹមថាយើងសុំជួបមានបញ្ហា1 2 3 4ទើបលោកសោភឹមអនុញ្ញាតទើបយើងជួបបានអរគុណ Concernant ces sessions d'études, pouvez-vous nous dire à quelle fréquence Saopim convoquait ce type de session et quels étaient les sujets qui étaient abordés lors de ces sessions? តាមការកោះអញ្ជើញរបស់លោកសោភឹមទេហើយក៏មិនធ្លាប់ដែលបានប្រជុំឬរៀនសូត្រជាមួយលោកសោភឹមដែរអរគុណ Là, je me demande s'il n'y a pas un problème d'interprétation parce que sur la réponse précédente J'ai compris que lorsque Saopim convoquait des sessions d'études, on en profitait pour vous remettre les messages écrits signés de Saopim. Je voudrais clarifier cette situation. Est-ce que, oui ou non, vous avez participé à des sessions d'études convoquées par Saopim? អត់ដែលទេអរគុណ Vous avez dit que vous étiez à peu près la moitié du temps à Phnom Penh, au bureau du commerce de la zone Est. Est-ce que vous y avez rencontré parfois votre père, Mi Seng Hong alias Chan, ou bien Soeurn? À l'occasion de leur passage à Phnom Penh. Nous pouvons pas quoi te lire Phnom Penh de. Ad dal chup te akun. Ah
Alors, nous avons déjà parlé de votre père, mais je voudrais revenir à quelques précisions complémentaires, notamment concernant les collègues avec lesquels il a travaillé. Pouvez-vous nous dire à qui il a succédé comme secrétaire de la région 21? Donc, qui était le premier secrétaire de cette région avant que votre père devienne secrétaire? Lorsque votre père a remplacé Ta Phuong, quelle fonction ce dernier a-t-il ensuite occupé? Quelle fonction Ta Phuong a occupé par la suite? Est-ce que vous le savez? Khmyom ot dang te tae dang tha kwat laang pi damban 21 okun. Donc il a été promu, mais est-ce qu'il a survécu au régime? Savez-vous s'il a plus tard connu une arrestation? Vous avez appris cela pendant le régime, lorsque vous étiez dans la région 20e. Qui a succédé à votre père à la tête de la région 21 lorsque votre père a été promu comme chef adjoint ou secrétaire adjoint de la région, ou plutôt de la zone Est? Qui a succédé à la tête de la région 21? Et est-ce que Chin ou Ta Chin est resté secrétaire de la région 21 jusqu'à la fin du régime, ou bien a-t-il été lui-même remplacé par quelqu'un d'autre? ឈ្មោះឈៀនហើយក៏ឈ្មោះសុតនេះມັນបាននៅរហូតដល់ដាច់របបខ្មែរក្រហមឆ្នាំ1978ដែរតែខ្ញុំមិនដឹងថាមានអ្នកណាមកជំនួសឈ្មោះសុតទៀតទេអរគុណ. Alors avant de revenir à Sot, reparlons Chin. Quand il a quitté la région 21, savez-vous s'il a quitté cette région pour occuper des fonctions dans une autre région de la zone Est? គាត់ ទៅ កាន់ ជា ប្រធាន តំបន់ 22 ក្នុង ភូមិ ភាគ បូព៌ា ដដែល អរគុណ. Est-ce que vous avez jamais connu ou appris quel était le nom complet de Ta Chin? ពេញ របស់ Ta Chin ទេ តកូល ហើយ នឹង ឈ្មោះ ពេញ របស់ គាត់ ណា. បាទខ្ញុំបាទមិនដែលដឹងទេហើយក៏សូមជម្រាបដែរថាកម្រមានឈ្មោះណាមួយតិចតួចណាស់ដែលប្រើឈ្មោះទាំងពីរ
ឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ជាដើមក៏គេស្គាល់តែសឿនទេបើហៅមានសឿនក៏គេមិនស្គាល់ទេដូចជាឪពុកខ្ញុំមួយឈ្មោះដែលគេសរសេរមានតែច័ន្ទទេគេដឹងតែឈ្មោះច័ន្ទទេភាគតិចណាស់ដែលអ្នកស្គាល់ឈ្មោះសេងហុងអរគុណ D'accord. Savez-vous ce qui est arrivé par la suite à Ta Chin alors qu'il était secrétaire de la région 22? Je voudrais à ce stade, Monsieur le Président, identifier cette personne, remettre au témoin le document E3-229. C'est une liste de personnes interrogées à S21. Et les références, le nom en question de Chin se trouve sur le titre Région 22, zone Est, au numéro 30 de cette liste. En Khmer, c'est à la page 3, en français, à la page 4, et en anglais, à la page 4 également. Voilà, avec votre autorisation, je voudrais remettre ce document au témoin. Donc voilà, à la page 3, monsieur le témoin, et au numéro 30, il y a une personne qui est identifiée de la façon suivante, Mia Chuon, C-H-H-U-O-N, pardon, alias Chin, C-H-H-E-A-N. Numéro 30. Donc, Meas alias Chin, 52 ans, secrétaire de la région 22. Et ensuite, il y a une date qui est sans doute la date d'entrée à S21, et c'est le 12 juin 1978. Alors, est-ce que ce Ta Chin, qui avait 52 ans à l'époque, secrétaire de la région 22, eh bien, celui qui avait pris la succession de votre père à la tête de la région 21? Est-ce que ce Ta Chin avait des enfants, en particulier des filles, qui étaient déjà adultes à l'époque? Et éventuellement, est-ce que vous connaîtriez, vous connaissiez à l'époque le nom de ses filles ou le nom de sa femme? កូនស្រីរបស់គាត់ឬក៏ស្គាល់ឈ្មោះប្រពន្ធរបស់គាត់ទេសូមបីតែឈ្មោះឈៀននេះខ្ញុំក៏មិនធ្លាប់បានចែកគ្នាដែរអញ្ចឹងកុំថាឡើយដល់កូនប្រពន្ធរបស់គាត់តែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាឈ្មោះឈៀននេះមកជំនួសឪពុកខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះអរគុណ D'accord. Pour les besoins de la transcription, je signale
à la Chambre que sur ce même document, au numéro 50 à 52, figure trois personnes décrites comme étant l'épouse du méprisable Chin et les deux filles du méprisable Chin, entrées à S21 le 27 juin 1978. Je voudrais revenir à Tassot. Le secrétaire de la région 21 qui a succédé à Tachin. Savez-vous ce qui lui est arrivé à lui? Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'était pas arrivé jusqu'au bout du régime et qu'en 1978, il n'était plus chef de la région 21. Est-ce que lui-même a fait l'objet d'une arrestation ou non? អរគុណតាសុតនេះចំនួនតាឈៀនក្នុងចន្លោះឆ្នាំណាក៏ខ្ញុំបាទមិនចាំតែខ្ញុំបាទចាំថាតាសុតនេះចំនួនតាឈៀនក្រោយពីផ្លាស់តាឈៀនទៅធ្វើប្រធានតំបន់22តាសុតនេះគឺមហាជាគេចាប់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ 1976 Vous venez de parler des purges de tous les cadres de la zone Est et vous avez dit 1976. Est-ce que vous êtes sûr de cette année-là? លោកប្រកាសទេថាការបោះសម្អាតហ្នឹងគឺពិតជានៅឆ្នាំ 1976 បាទប្រកាសខ្ញុំចាំណាស់ព្រោះថ្ងៃនោះខ្ញុំក៏ត្រូវរត់លូនជាមួយគេដែរថ្ងៃ 25 ខែ 5 ឆ្នាំ 1978 ឆ្នាំនោះជាឆ្នាំរោងទឹកធំណាស់ភ្លៀងក៏ខ្លាំងដែរអរគុណ D'accord, peut-être que c'était encore un problème d'interprétation. Je vois que vous avez corrigé. Maintenant, vous avez parlé du 25 mai 1978 et pas 1976. Je voudrais que vous repreniez le même document que tout à l'heure, E3-2229, au numéro 29. Peut-être que Attends. Oui, je vous remercie par rapport à la date. Nous avons en français eu la même traduction. Je vois que M. le procureur fait lui-même ses déductions, mais peut-être serait-il plus simple de demander au témoin à quelle date il faisait référence et lui faire confirmer plutôt que de faire des déductions. D'accord, avant de passer au document, vous avez parlé du 25 mai 1978. Est-ce que cela veut dire que les grandes purges dont vous avez parlé ont eu lieu à ce moment-là, ou bien est-ce que c'est en 76? តែពិតប្រកាសគឺថ្ងៃ 25 ខែ 5 ឆ្នាំ 1978 នៅក្នុងភូមិភាគបូពានេះមានការបោះសម្អាតទាំងអស់សូម្បីតែសោភឹមក៏ត្រូវគេបោះសម្អាតដែរអរគុណ D'accord, donc reprenons le document E3-2229 et peut-être l'avocat pourra trouver le numéro 29, c'était juste au-dessus de Chin. Et au numéro 29, on peut lire ce qui suit. Sous le titre « Région 21, zone Est », il y a indiqué « Touch, T-A-U-C-H, C-H-E-M ». Alias Sot, 38 ans, sexe masculin, secrétaire de la région, donc 21,
et la date du 5 juin 78 comme la date d'entrée à Esmaté. S'agit-il là aussi du même Ta Sot dont vous avez parlé qui était à la tête de la région 21? Sur cette liste E3-2229, c'est que je vois que vous avez des difficultés peut-être à lire. Je voudrais m'attarder sur d'autres numéros, d'autres personnes qui figurent au numéro 12 d'abord. Il s'agit d'un individu appelé Sok, S-O-K, Knol, K-N-O-L, alias Lin, L-I-N, ou Pim, P-E-A-M. Retenez surtout l'alias, hein. Alias Lin ou Pim, 46 ans, membre du comité de zone et chef du bureau de zone. Est-ce que, avec Sok Pim et votre père, il y avait un dénommé Lin dans le bureau de zone? Est-ce que vous connaissiez une telle personne? Grâce à votre père, vous avez un nom de Lin ou Pim? Est-ce que vous connaissiez une telle personne? Bạn miền Okun. Est-ce que cette personne a été victime des purges, des grandes purges du 25 mai 1978? Ou bien, vous ne savez-vous pas ce qui lui est arrivé? Ou bien, vous ne savez-vous pas ce qui lui est arrivé? Bạn, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Juste quelques autres exemples, numéro 17 et 18 de la liste. On trouve deux personnes appelées Ou Sak, O-U, Sak, S-A-K, et You, Y-O-U, Rib, R-E-A-B. On les décrit comme étant les chefs et chefs adjoints du commerce d'État de zone basés dans la région jumelle, c'est-à-dire les régions 23 et 24. Vous avez également travaillé en partie pour le commerce d'État. Est-ce que vous connaissiez ces deux personnes à l'époque? Enfin, au numéro 25 de cette liste, il y a un individu qui est appelé Soeurn, S-U-N. Son nom complet est Chir Sin, alias Soeurn. Secrétaire de la région 20, entré le 5 juin 1978 à S-21. Est-ce que vous connaissiez cette personne à l'époque, dénommée Soeurn, secrétaire de la région 20? Est-ce que lui-même a été aussi victime des grandes purges du 25 mai 1978? Bad man. Savez-vous de quoi était accusé
les personnes qui ont été victimes de ces grandes purges. Donc vous avez parlé de tous les cadres de la zone est. Qu'est-ce qui leur était reproché? De quoi vous accusait-on? Si vous le saviez, bien entendu. Alors une autre personne qui m'intéresse, c'est le prédécesseur de votre père à la tête des régions 23 et 24. Pouvez-vous nous dire qui était le chef des régions 23 et 24 avant que votre père ne soit placé à leur tête? Et qu'est-il arrivé à Tachouk, secrétaire de la région 24, durant le régime? Pour vous rafraîchir la mémoire, je vais vous lire ce que vous avez dit à la réponse 67 de votre procès-verbal d'audition E3-5531. Vous avez dit ceci: mon père était chef de la région double, région 23 et 24, après l'arrestation de Tachouk. Avant son arrestation, Tachouk avait géré la région 24. Fin de citation. Est-ce que vous confirmez que Tachouk a lui aussi été arrêté, comme un grand nombre de cadres de la zone Est? បាទព្រោះអ្នកដែលនៅជាមួយតាឈូកទាំងអស់ក៏គ្មានអ្នកណាមួយនៅដែរពេលនោះដូច្នេះមានតែការចាប់ខ្លួនមេហើយបានជាកូនចៅនឹងខកគ្មាននៅដែរព្រោះខ្ញុំស្គាល់ធ្លាប់ស្គាល់អ្នកបើកបរឡានរបស់តាឈូកប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ត្រូវគេយកទៅរៀនសូត្រព្រោះការនោះភាគច្រើនជាពាក្យទៅរៀនសូត្រនោះឯងគ្មានគេនិយាយប្រាប់ថាបញ្ជូនយើងត្រូវចាប់ខ្លួនទេមានតែសមមិត្តត្រូវទៅរៀនសូត្រតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណ Savez-vous à quelle période il a été arrêté? Est-ce que c'était à la même période que celle que vous avez déjà mentionnée ou c'était une période différente? Alors je signale pour les besoins de la transcription que le nom de Tchouk, secrétaire de la région 24, figure sur une liste de personnes interrogées à S21 qui porte la référence E3-1949 au numéro 440. Il y a également des aveux de ces personnes au dossier. Ce sont les documents E3-2994 et E3-2990. Et on parle d'une date d'arrestation du 31 août 1976. Monsieur le témoin, à propos
de Tachuk, je voudrais lire un extrait de la déposition de Kang Gekyu, alias Duch, chef de S21, devant ce tribunal le 18 mai 2009. Voilà ce qu'il a dit. C'est le document E3-345, après 12h04, je vais citer en anglais. Je cite Duch. First, the very great time consuming was to compile the confessions in which Soeurn alias Chuk was the secretary of Sector 24 of the East Zone. He was implicated in several confessions. When the standing committee was about to meet again, my superior ordered S21 to gather information and extract key points from the document concerning Soeurn alias Chuk. And a little further, he added, finally, the standing committee made a decision to arrest Chuk and send Chuk S21. End of quote. Le 15 juin 2009, Duch a rajouté ceci. C'est le document E3-5799 à 10h20 et 50 secondes. First, the most important person, for example, Soeurn alias Chuk, the secretary of Sector 24. Then, the standing committee paid good attention until Brother Pim agreed. And there had been a lot of documents and meetings of the standing committee before such an arrest was made, end of quote. Monsieur le témoin, quelle est votre réaction par rapport au fait que Chuk a été transféré à Phnom Penh et que Duch a dit que c'était le comité permanent du parti qui avait décidé de son arrestation. Est-ce que c'était quelque chose que vous saviez à l'époque? Duch suggère aussi que c'est le comité permanent qui a persuadé Sao Pim d'accepter l'arrestation de Chuk. Thank you, Mr. President. Monsieur le Président, je n'ai fait que lire les déclarations de Duch. Nul ne nie que Sao Pim théoriquement faisait partie du comité permanent, mais
je crois que tout le monde sait dans cette salle qu'il était rarement présent. Je voulais simplement la réaction du témoin par rapport à ce qu'a dit qui suggère que c'est le comité permanent qui a persuadé qu'il soit membre, qu'il était présent au Raymond, ou bien qu'il soit resté dans la zone Est, et on doit persuader Soeurn d'accepter l'arrestation de Chouk. Ma question est la suivante. Est-ce que vous saviez, monsieur le témoin, que l'accord du chef de zone était requis pour pouvoir arrêter des cadres au sein de la zone Est à l'époque où Chouk a été arrêté? Pour revenir au rôle de votre père au sein de la zone Est et du Parti communiste du Cambodge, est-ce que vous savez s'il a pris part à des négociations avec les Vietnamiens en 1976 concernant la délimitation des frontières entre le Cambodge et le Vietnam? ខ្ញុំ មិន ដឹង ថា គាត់ ទៅ ធ្វើ អី ទេ តែ ខ្ញុំ ធ្លាប់ ជូន គាត់ ទៅ ដល់ ខេត្ត តៃ និញ ប្រទេស វៀតណាម ក្នុង នាម ជា អ្នក បើក បរ ឡាន អរគុណ Est-ce que vous avez appris de la bouche de votre père ou d'autres sources s'il a pris part occasionnellement à des réunions du comité central du parti? អ្នកបើកបរឡានភាគច្រើនដូចគ្នាមានតែជូនតែថ្នាក់ដឹកនាំទៅតែប៉ុណ្ណោះរឿងកិច្ចការផ្សេងៗទៀតគ្មានអ្នកណាគេឲ្យយើងដឹងទេហើយយើងក៏មិនអាចទៅជិតគេបានដែរអរគុណ Je comprends bien mais Entre 75 et 79, vous n'étiez plus messager ou chauffeur de votre père. Donc je parlais de cette période-là. Mais je vais passer à autre chose, simplement mentionnant à la chambre, le dossier figure le document 2.2, compte rendu du comité permanent, daté du matin. Du 14 mai 1976 concernant les négociations avec les Vietnamiens et qui ont participé outre le camarade secrétaire et le camarade sous-secrétaire le camarade Van, le camarade Vorn, le camarade Kieu, le camarade Hem, le camarade Kieu, le camarade Chan le camarade C et le camarade Touch. Et on y constate que le camarade Chan prend la parole deux fois lors de cette réunion. Autre question, monsieur le témoin, est-ce que vous savez si votre père, Chan, que ce soit en l'absence de Soeurn ou non, envoyait des messages écrits des rapports ou des télégrammes au centre du parti à Phnom Penh. Khmer,
Yes, Mr. President, I was expecting a question on ខ្ញុំគិតថាគួរតែសួរសំណួរអំពីច័ន្ទដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ក៏ប៉ុន្តែហើយខ្ញុំដឹងថាច័ន្ទនិយាយពីដងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រកាសថាតើច័ន្ទហ្នឹងគឺច័ន្ទជាឪពុករបស់សាក់សីហ្នឹងឬក៏មិនមែនអាចថាជាឪពុកប៉ុន្តែក៏អាចថាមិនមែនជាឪពុករបស់សាក់សីនេះដែរ Je poursuis, Monsieur le Président. Je voudrais vous montrer, Monsieur le Président, avec l'autorisation du Président, le document 23/1105, une page unique en anglais 0057-4470, en français 0050-3712712, et en Khmer, c'est deux pages. 000 2 0 8 9 9 9 0 0. Il s'agit d'un message manuscrit adressé par le camarade Khmer le 21 décembre 1977 au camarade Khmer. Monsieur le Président, est-ce que je peux faire remettre ce document? Et je vais citer une partie de ce document, le début, monsieur le témoin, dans sa version anglaise. In the morning of 21st December, I received your telegraph through the zone, and I informed comrade Lin of the contents for taking photographs, filming for him to report to you. At 3:30, I met comrade Sela, and I informed comrade Sela of your request and content for taking photographs or filming in sector 23 and 24. End of quote. Alors tout d'abord, Monsieur le témoin, est-ce que vous reconnaissez la signature qui figure au bas du document, la deuxième page? ឯកសារទាំងអស់នេះខ្ញុំមិនដែលបានជួបហើយក៏មិនដែលបានឃើញគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានឃើញនៅទីនេះប៉ុន្តែគឺហត្ថលេខាធ្លាប់ស្គាល់ហើយមិនមានហត្ថលេខាក៏ដល់ឃើញតែអក្សរគាត់ក៏ស្គាល់ដែរបាទអរគុណ Il est question ici du camarade Lin. Dans ce document écrit, est-ce que il s'agit là aussi du troisième membre du comité de la zone avec Saupim et votre père? ប្រធាននិងអនុប្រធានអីសមាជិកប៉ុន្មានអ្នកទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែស្គាល់ថាលីននឹងគាត់ធ្វើជាប្រធានទីព្រោះយើងខ្ញុំធ្លាប់ទៅទទួលលិខិតបេសកកម្មលិខិតអីពីត្រឹមតែនារសាឯស្មានរបស់ឈ្មោះលីននេះតែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណ Alors avant la pause, je voudrais entamer un nouveau sujet qui est celui des éventuelles purges de cadres de la zone Est précédant
25 mai 1976. Donc en 76 et 77. À votre connaissance, y avait-il déjà eu des vagues d'arrestations au sein des différentes régions 20, 21, នៅក្នុង តំបន់ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ចាប់ពីឆ្នាំ 1975 មកបន្ទាប់ពីថ្ងៃរំដោះទីក្រុងភ្នំពេញ 17 មេសា 1975 មកខ្ញុំនៅក្នុងភូមិភាគមានរយៈពេលខ្លីណាស់បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំត្រូវមករៀននិងមកនៅអង្គភាពថ្មីដែលជាអង្គភាពរងកលាំងនេះដូច្នេះកិច្ចការទូទៅ Pour être plus concret, au sein de votre usine ou de votre atelier de pièces métalliques, ដើម្បីឲ្យមានការចាប់ខ្លួនណាមួយមុនថ្ងៃ 25 ខែឧសភា ឆ្នាំ 78ដែរទេ Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails ou quelques incidents durant lesquels des arrestations ont eu lieu, des personnes ont disparu, notamment ce que vous pouvez nous donner les noms des gens qui procédaient aux arrestations et les noms des victimes de ces arrestations. ជាជនរងគ្រោះនៃការចាប់ខ្លួននោះដែរទេខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនទេតែមេធំដែលមកចាប់ខ្លួនពួកយើងខ្ញុំជាកម្មករជាជាងតូចតាចអីនេះឈ្មោះយិនសុភីដែលគាត់ធ្វើជាខាងសន្តិសុខ Monsieur le Président, je vois que l'heure avance. Il nous reste, je crois, 40 ou 45 minutes normalement. Je profite du fait que ça va être la pause pour réitérer ma demande de tenir plus de temps. Je ne sais pas si les parties... ដូច្នេះបន្ទាប់ពីជប់សម្រាប់ហើយខ្ញុំនឹងលើកសំណើសុំសារជាថ្មីហើយខ្ញុំនឹងទៅតាមភាគីដទៃទៀតចង់ធ្វើសំណើដែរឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវិជាការល្អប្រសិនបើភាគីនានាអាចបានអាចបញ្ជាក់មុនពេលជប់សម្រាប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអង្គជំនុំជម្រះអាចផ្ដល់ពេលវេលាដល់ខ្ញុំប្រហែលជា40ទៅ40នាទី C'est peut-être une demande d'éclaircissement par rapport à, au point que le temps qui sera accordé. Je comprends de cette dernière ligne de questionnement que là, monsieur le procureur évoque des faits qui ne sont pas en lien avec une purge de 78 dans la zone Est, mais qui serait antérieure, auquel cas je rappelle que la position de la défense n'est que 100 ans et que s'il y a purge, et encore une fois c'est le vocable qui est utilisé parce que ce n'est pas parce qu'on parle d'arrestation qu'il y a nécessairement purge, et en tout état de cause, nous estimons que ce n'est pas dans le
champ du procès 02/2 et auquel cas il n'y aurait pas besoin de temps supplémentaire si M. le procureur entend aller sur ce sujet. Vous avez le pire de l'ombre 002/02 dans l'air de l'échec de l'échec. Because of the chamber's position in this, that is the only song that has been coming so far. Rapidement, si je peux, Monsieur le Président, répondre à ma concernée. La dernière ligne de questions. ជំរាបសាធារណជនជំរាបថានៅពេលបន្តិចទៀតនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើកិច្ចនីតិវិធីសម្បត់សម្រាប់អ្នកធ្វើបង្កេតជំនួន២រូបនៃកិច្ចការិយាធិការជាក្រុមធ្វើបង្កេតដូច្នេះអង្គជំរះសូមជំរាបភាគីដែលពាក់ព័ន្ធហើយនិងអ្នកធ្វើបង្កេតទាំង២រូបដែលត្រូវធ្វើសម្បត់រួមទាំងបុគ្គលិកនៃអបតកដែលមានតួនាទីពាក់ព័ន្ធត្រូវចូលរួមនិងបន្តការងាររបស់ខ្លួននេះពេលបន្តិចទៀតនេះគឺបន្តពីចន្លោះម៉ោង 6 កន្លះហ្នឹងទៅរហូតដល់ពេល